Vous êtes sorcier? Vous êtes... Celui qui n'est pas sorcier n'a qu'à partir dehors, n'a qu'à partir à la maison. Celui qui est sorcier qui s'élève. Je ne vous pose pas. Hein? Celui qui est sorcier n'a qu'à venir ici. Quand tu as mangé le trip de ta fille, c'était doux. Tu as mangé des tripes, les trompes. Où elle est ta fille? C'est pas celle-là. Tu as détruit celle-là aussi. Celle-là. Et regarde là, monsieur. Oui, je dois avec. Hein? Je dois avec. Tu dois avec, ça veut dire quoi? Je me couche avec elle. Tu l'as fait l'amour? Oui. Et c'est ce que je vais te coucher avec elle, je dors avec elle. Tu vas faire la sieste ou bien? Tu fais quoi, celle-là? Je dors avec elle. Dormi comment? Vous faites de la sieste ou bien? Non, on fait l'amour. Ah! Nous, c'est ça, on connaît. Sinon, je dors, c'est comme si tu fais une petite sieste. Elle a petite, tu dors avec elle. Tu peux dormir un petit peu sans faire l'amour. Ça existe. Venez. Elle est qui pour vous? Ma fille, c'est ma fille. Hein? C'est ma fille. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur, je vous demande, parlez, dites-nous ce que vous avez fait à la fille. Je me couche avec elle. Hein? Je dors avec elle. Tu je dors? Fais l'amour. Hein? Je fais l'amour. C'est ça, on est français. Tu comprends? Je fais l'amour. Vous faites l'amour à votre fille? Oui. Comment? La nuit. La nuit? Oui. Vous avez force pour faire l'amour à la petite la fille? Votre âge, vous avez là? Vous faites l'amour pour faire quoi? Pour gagner quoi? Pour l'empêcher de se marier. Pour l'empêcher de se marier? Oui. Vous êtes le père. Le père. Vous êtes tout son papa. Oui. Non, si elle se marie là, c'est pas bon. C'est bon. Hein? C'est bon. Mmh, mais pourquoi? Je vous demande, monsieur. Je l'ai empêché de se marier. Donc, c'est ça qu'il fait l'amour avec elle. Oui. Mais est-ce que c'est la seule femme? Tu as beaucoup de femmes, tu lui fais l'amour, attrape les femmes. Il y a les femmes, on achète maintenant même pour faire l'amour. Va acheter les femmes. Pourquoi c'est elle tu as vu? Et c'est en quel moment tu fais ça? C'est la nuit. Et la nuit? Explique-nous comment tu fais. Je vous ai posé la question, vous allez vous dire que vous avez confessé. Le peuple est témoin, n'est-ce pas? Oui. Donc explique-moi. C'est la nuit, tu fais comment? Je me couche avec elle. Expliquez comment vous faites. Mais c'est la société, nous on ne connaît pas. Explique le mécanisme, ça se passe comment? Allez-y. Je me couche avec elle. Oh, je lui fais l'amour. Et comment vous arrivez? Puis elle sait pas. Elle sait où elle sait pas. Ou même vous l'avez dit, mais moi je viens à minuit, hein, puis elle peut ouvrir la porte, et vous couchez avec elle, c'est ça? Vous lui donnez rendez-vous, et puis elle ouvre la porte, vous venez la coucher avec elle? Non, je ne donne pas. Hein? Je ne donne pas des rendez-vous. Tu ne donnes pas des rendez-vous? Mm-hmm. Mais comment tu fais? Quand elle dort, je passe par. Parlez fort, monsieur. Quand elle dort. Quand elle dort, oui. Je passe par le toit. Vous passez par le toit, comme un chat. Vous passez par le toit. Oui. Vous faites quoi? Puis je saute sur elle. Ah, vous descendez? Je descends. Et allez, le monsieur. Et puis tu tombes sur la fille. Oui. Votre fille? Oui. Elle est inconsciente? Elle est inconsciente. Et puis vous l'enlevez tout, vous couchez avec elle? Oui. Et c'est pourquoi? En faisant ça, c'était pourquoi? C'est un plaisir. Hein? Un plaisir. Ah, c'est un plaisir. Plaisir, vous ne pouvez pas aller chéter une prostituée, coucher avec elle. Pourquoi c'est votre fille? Vous voulez faire plaisir? Vous n'êtes pas marié? Je suis marié. Mais pourquoi il n'y a pas plaisir chez marié là-bas? C'est elle ou vous voulez? C'est pour elle là. Toi, tu as l'âge que tu as là, celle-là. Tu n'as rien poussé là? La troisième. C'est ma femme. Hein? C'est la troisième. Je ne vous ai pas demandé quelle fille, quelle elle est dans la famille. Suivez-moi mes questions. Je ne suis pas en train de perdre la raison. Je vous pose des questions. Répondez-moi exactement. Je ne suis pas en train de plaisanter. C'est vous qui avez parlé. Restons dans ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de une salle de théâtre ici. Oui. Vous couchez avec elle? Oui. Vous faites comment? Un plaisir.
Et vous avez gâté quoi dans sa vie? Vous avez gâté quoi? En faisant le plaisir? C'est un plaisir, mais il y a quelque chose que vous avez gâté à son soleil. Quand elle prend un mari. Hein? Quand elle se marie. Oui. Monsieur, parlez fort, monsieur. Quand elle prend un mari. Quand elle prend un mari, oui. Le monsieur la laisse. Oui. Quelque temps après. Qui fait ça? C'est vous qui faites ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis sur elle? Non, je n'ai rien. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez gâté son mariage? Comment? Ça, il ne sait pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Comment vous avez fait pour gâter le mariage? Parce que les gens apprennent quand même. Comment ils arrivent du coup à la laisser? Elle s'est mariée une fois. Mais le monsieur, tout le temps, la maladresse, tout cela. Et monsieur, qui fait qu'elle ne se marie pas? Mais c'est moi. Ah, c'est ce qui vient, attends. Maintenant, c'est des mises en scène, des choses qui viennent. Or, la vraie chose, c'est toi qui fais ça. Oui, oui. Elle s'est mariée combien de fois? Elle allait combien de fois déjà? Deux fois. Deux fois. Mmh. Et tu as dit non, c'est ma femme, il faut qu'elle vienne. Oui. Et toi, tu fais chat noir spirituel. Oui. Tu kisses à toi, tu broches la vie pendant qu'elle dort. Toi, tu dors aussi. Hein? J'ai une faut prier. Le Dieu, laisse-toi la nuit. C'est dans ce dernier temps, il commence à prier. Le vieux sorcier. Tu as faim de ça là? Tu as faim de ça? Quand vous dites, quand on a l'habitude de vous dire vos histoires de mari de nuit là, hein, c'est sorcier. Les gens pensent que c'est amusement. Ils pensent que c'est un esprit qui vient, qui couche avec. C'est les sorciers qui sont à côté de vous. Nous, on a déjà vécu ça dans un village où le monsieur est moche. Mais il a fini toutes les belles filles du village. On l'a pris, fait les aveux. Il dit, mais est-ce qu'il va choquer la fille? Il a dit le temps, la couleur de slip qu'il a pris, qu'il a gardé. Le monsieur a envoyé ça. Elle discutait, hé non, toi tu peux écouter, j'ai dit, bon attends. Je vais te montrer ce qui est fait. Elle dit, discutez-moi. Maintenant elle pleure. C'est Dieu, c'est non? Le Seigneur n'a qu'à nous protéger contre ces sorciers. Il dit, toi tu discutes, attends. Je vais te montrer. Ça, c'est pour qui? La vie même ne peut pas parler maintenant. C'est ta femme. Là-bas. Tu couches avec elle. Tu fais l'amour avec elle. Et tu as gâté quoi dans sa vie? Son mariage. Ton mariage. Pourquoi va se marier? Comme je suis devant vous, je veux sa délivrance. Délivrance? De qui? Elle. Comment elle a délivré? Pour qu'elle puisse se marier. Comme ça, tu ne vas pas venir la nuit? Non, non, non. Hein? Non, non. Tu ne vas plus venir la nuit? Non, non. Si toi, tu es délivré, elle est délivrée. Qui vient la nuit là-bas? Monsieur, oui. Qui vient la nuit l'embrasser? C'est moi. C'est moi. Vous embrassez votre fille? Oh, oui. Vous faites chat noir spirituel? Oh, oui. Un sorcier qui t'embrasse la nuit. Mais dis-moi. Et vous avez tout gâté? Tout gâté. Hmm? Tout gâté. Ah, vous voyez? Ils gâtent tout maintenant, c'est gnani gnani là. Ils ont tout pris. C'est comme jus orange. L'homme me dit. Ils prennent tous jus qui est dedans. Puis on jette. Parce que les femmes, vous avez le bonheur à vous. Hein? C'est la femme qui fait l'homme. Hein? Moi, je respecte les femmes. La femme qui fait l'homme. Hein? Nous, les hommes, on est gnani gnani. On parle, mais c'est vous là qui nous maîtrisez. Donc une bonne femme derrière un homme, il fait. C'est la grande. Soit qu'une femme est bizarre, elle est bizarre. Hein? Ça ne peut pas tomber aussi n'importe quelle femme. Puis il y a femme, puis il y a femme. Hein? Mais oui, hein. Il y a femme, puis il y a femme. Voilà. Oh, et garde toute cette chance-là. Maintenant, il n'y a plus de chance en toi. Tout le monde te jette. Tout ce qui veut te prendre, il veut te prendre comme l'homme lui dit. Te jette. Hein? Oui. Il n'y a pas elle. Parce que lui-même, c'est lui-même qui a dit aux gens de l'envoyer ici pour le faire délivrer. Hein? Voyez son histoire. Il dit encore le délivrer. Qu'il est sorcier. Tu as attaché combien de personnes? Ma femme. Hein? Ma femme. Quand vous avez attaché votre femme? Pour faire quoi? Non, je l'ai livré. Pourquoi?
tuer. Pour la tuer? Oui. Et fait quoi après? Si tu la tues, tu as fait quoi? Plus d'enfants, plus de femmes. Tu vas pas manger? Si. Tu vas tuer pour manger. Il n'y a pas poulet au marché. Heureusement, aujourd'hui, il y a les poulets de deux semaines. Dieu merci. Et vous laissez tout ça? Elle, puis ma fille, son fils, son petit. Monsieur, parlez sérieusement, je vous écoute. Elle, ma fille. Hein? Et ma fille, plus ma fille. Ils n'ont pas de nom, hein? C'est ta fille, on n'a pas de nom. C'est qu'à Florence. Oui. Son petit, Ezekiel. Qui t'a donné la société? Hein? Oui. Ton oncle. Comment t'as donné la sorcellerie? Parlez bien. Je suis en train de parler. Hein? Je vais revenir sur lui, oui. Il est parti au village pour les vacances. Et puis, son papa nous a laissé là-bas. Mm-hmm. Quand il s'en va au chien, que l'on voit. Parlez bien. À la pêche, votre langue, votre, ta voix tremble si comme on a. Non, mais pour dire quoi? C'est elle de elle, on doit avoir peur. Ok. Vous faites des choses qui font peur la nuit, ou les gens ont peur là. Vous n'avez pas peur la nuit, vous pouvez attaquer les gens. De quoi vous avez peur vous là? Oui, tu as fait quoi? Vous voyez non, elle est belle non? Bah, elle est belle. C'est belle, elle est sa sorcellerie. Sinon elle est belle, petite belle. Dit, ah maman, tu es belle. Viens. C'est qu'elle va te montrer la nuit. T'es couché maman. Oh maman, elle veut boire ton cerveau. C'est dégueu là, yo. Le cerveau, là, quand tu l'embrasses, maman, elle vide ton cerveau. Vous mettez vos bouches partout, vous embrassez tout. Vous les gars, vraiment, vous êtes possédé. Hein. Tu vois, la petite, elle est belle. Mais ce qui est en elle, là, c'est dangereux. Vous ne connaissez pas les gens où vous pouvez passer une nuit. Une nuit, c'est ce que ça veut dire. Puis maintenant, vous venez en camp de prier pour qu'on vous délivre. Maman, ça va? Ok. Et comme ça, elle donne un numéro rapide. Tu n'aimes pas, tu te fatigues pas. Elle te fatigue. Il y a une dans un village à Fresco, à Grand là-haut. Quand tu dis j'ai, elle dit, c'est pas thème là. Voilà. Alors, terminer ça à la maison. Et tu tentes de te fatiguer. Je t'aime, non? Allons-y. Elle est belle. Quand tu finis de faire l'amour avec elle, tu as coco en même temps. Ton année sort. Pendant que tu es sûr, toi, tu te sodomis toi-même. Tu as dit, chère femme. Ok. Elle va te montrer. Donc, elle a quand même commencé à parler. Pour dire, elle a donné coco au monsieur. Le monsieur, quand il va aux toilettes, il peut faire 2 heures du temps de ne pleurer. Tu as dit ça. Il pleut seulement. Il pleut. 2 heures. La fille dit, celle. Il dit, mais moi, je suis sorti à la fille. On a eu une dizaine de personnes comme ça, devant moi. La petite est là. Elle dit, elle, c'est sa spécialité. Quand vous montez sur elle, elle dit quoi? Moi, je cherchais, c'est moi qui est venu faire l'amour. Vous avez menti. Moi, mais il y a ça. Ce que vous avez là, il y a ça. Elle a kiki. Elle a kiki sur ses lèvres. Donc, pendant que tu montes sur elle, elle te sodomise. Donc, disons, coucou. Oh, le sorcier, il peut t'attirer. Elle a son pouvoir mystique. T'as tiré, la sorcière t'a dit. Tu t'es mélangé, tu vois, la petite, elle est choquée, elle est jolie. Mais c'est un poison. Sur ça, si tu as ta femme, pardon. Une bien, reste avec ta femme. Vous avez compris? Reste avec ta femme. Elle t'a fait quoi, ta femme? La pauvre. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est vice-versa, même les hommes aussi, les hommes sorciers. Les hommes sorciers. Si tu as dit je t'aime, faut le laisser. C'est pour ton mari là qui est vrai, vrai. Je t'aime du monsieur là, c'est un voyou. Ben, y a les femmes quand tu dis, madame, ça va, vous êtes belle, je vous aime. On aime. Ne souriez pas les gens n'importe comment, s'il vous plaît. Le sourire là, ça au mari vous devez donner. Ben, y a les sorciers, ils voient votre étoile. Vous savez pas ça? Il y a des gens qui voient votre étoile, vous êtes belle femme, ils savent que vous là. Il y a un bonheur en toi. Il y a quelque chose de. Parce qu'il y a des femmes, il y a des gens, des femmes là. Quand tu es avec elles, tu as l'argent. Hein? C'est comme ça. Hein? Il y a des femmes, quand tu es avec elles, tout marche chez toi. Or, c'est ça qu'on appelle le bonheur. C'est cette grâce à que le sorcier, lui, il regarde. Je viens de voir. Parce que moi dans le. Dans,
toute l'Afrique, il y a des gens, c'est une confédération, on a des gens qui sont un peu partout, qui nous donnent des informations. Il y a un fou qu'on a attrapé au Nigeria, ça fait pas une semaine. Lui, il s'est fait fou, il est dans les ordures, les couches de bébés là, qu'on jette là. Lui, il prend ça, il va vendre ça aux milliardaires nigériens. Quand il prend le couche de bébé là, le bébé là, on le sacrifie. Et puis il meurt. Donc on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, il y a la photo, hein. On l'a attrapé, il y a les millions de nara avec lui. Faites très attention. Hein. Et lui, non, lui, ça, c'est, il dit comme ça. Lui, il est dans les ordures, il cherche les couches. Vous allez me dire, ma prophète, donc on ne va plus jeter des couches. Non, c'est pour dire votre enfant là, consacrez-le à Dieu. Priez pour vos enfants. L'huile sainte là, mettez ça sur les enfants. C'est pas tout le monde en touche. Le gars, il vend. C'est comme le placenta là. Il y a les femmes là qui vendent ça à des gens que vous connaissez. Et moi, j'ai cassé ça, sort tomate. Moi, ça. Pour avoir la chance. Tu es là quand ton enfant tombe malade. Et puis il meurt. Tu n'as rien pour compris. Il dit, il vend le couche des bébés. Il cherche le couche des bébés dans les trucs. Et puis il vend ça. Les gens prennent la chance de l'enfant. C'est pour ça que quand votre habit là, si vous avez porté, puis quelqu'un dit non, donne-moi l'habit que tu as porté là. Faut lui dire, il faut essayer. Porte. Il va dire, ah non, il va dire, porte. Parce que quand la personne, quand vous donnez votre habit que vous apportez, comme votre sueur est dedans, il peut vous scanner. Ce sera que quand les gens, la police scientifique, va faire des enquêtes, les choses que le voleur ou le criminel a touché là, c'est ce qu'on prend. On fait des recherches et qu'on fait sortir avec son empreinte digitale, on fait sortir son visage. C'est comme ça sur le plan spirituel aussi. Quand tu portes l'habit, dans ton habit, là, puis prends ton âme. Souvent, il te demande l'argent. Hein? Donne-moi 100 francs. Non, mais tu dis que oh, ça, là, il faut qu'il me débarrasse de 100 francs. Oh, 100 francs, là. La vieille voit 10 milliards dedans. Hein? C'est pour fermer ton argent. Quand tu donnes l'argent, c'est fini. C'est pas comme ça que vous travaillez, vous les sorciers. Hein? Oui. Toi, tu fais comment? Pour toi, tu fais comment? Moi, je n'ai jamais fait ça. Ah, tu avais fait? Tu ne gardes pas l'argent. Mais tu sens embrasser. Ça, tu embrasses. Pour embrasser les filles, là, tu es dedans. Pour manger les trompes, là, tu es dedans. Oui. Toi, tu es. Qui t'a donné la sorcellerie? Hein? Comment tu as fait? Je suis partie au village. Oui, maintenant on t'a donné la sorcellerie, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Donc tu es sorcière. Tu es sorcière. Et quand il t'a donné, vous avez fait quoi? Il n'est pas venu me chercher, on n'a rien fait. Mais il a fait quoi? Mais tu reconnais que tu es sorcière. C'est quand la dernière fois vous m'avez dit ça. Ça veut dire quoi? Vous ne reconnaissez pas? Vous n'êtes pas sorcière? C'est la question que je pose. Papa, non. Vous n'êtes pas sorcière? Non, stop. Vous n'êtes pas sorcière. Je vous demande, vous n'êtes pas sorcière. Je vous demande, vous n'êtes pas sorcière. Ok. Non, on ne peut pas. Non, allez-y. Prenez la porte. Non. Ici, on ne force personne. Vous n'êtes pas sorcière. Allez-y. Non, mais donc, allez-y. Puisque, non, on va écouter les gens pour les délivrer. Comme vous n'avez pas pratiqué la sorcellerie, allez-y. Quittez le centre, allez-y. On ne force personne ici. Non, allez-y. Non, allez-y. Ici, on est fausse personne, allez-y. On veut délivrer les gens de la sorcellerie. Allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Allez-y. Quittez devant moi ici. Monsieur, toi, t'es sorcier. Qu'est-ce que tu as fait? Papa, il a tué. Tu as tué? Il a détruit. Non, papa, il fait quel travail? Papa, c'est ce que tu as fait. C'est ce qui met les trucs dans la maison, là. Ce que tu as fait, c'est quoi? Plafond, là, tu as tué. Voilà. Toi, tu as tué. Tu as quel âge? Il y a 14 ans. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est mon cousin. Ton cousin. Comment il t'a donné la sorcellerie? Il m'a donné un biscuit. Un biscuit? Voilà. Comment? Il a mis ses yeux sur le biscuit. Il avait quoi? Il a mis ses yeux sur le biscuit. Mais comment tu as su qu'il a mis les yeux sur le biscuit? Non, c'est après il m'a montré... La pratique? Oui, après il m'a montré la pratique, c'est ça. Et puis après, il m'a dit que c'est ça, il a mis dans mon biscuit. Oui, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Je mangeais, puis la nuit il a appelé mon âme au carré. Il a appelé ton âme? Au carré. Comment? Il a créé mon nom 5 fois. Oui. Il a dit Mbak. Mm-hmm. Donc mon nom s'est levé et mon âme est partie. Ton âme s'est levé comment? Mon âme est quittée de mon corps. Comment? Comment ça fait? Quand l'âme quitte ton corps, comment? Toi tu dormais. Mm-hmm. Comment ton âme est quittée dans son corps?
Comment du coup une voix peut te faire lever? Mon âme, quand il m'a appelé, il a entendu. Mais comment tu peux entendre? Mais c'est qui l'a fait que tu as entendu? Oui, c'est ce qu'il a fait que j'ai entendu. Oui. Mais quand j'ai entendu, je me suis levé. Il y avait un animal qui était là. Quel animal? Un hibou. Oui. Donc je suis rentré dans l'hibou. Tu es rentré dans l'hibou? Oui, puis je suis parti au carrefour. Oui. Et puis après, mon âme est descendue au carrefour et puis il est venu me chercher. Il avait ses coupures. Comment il t'a cherché? Vous êtes parti comment? On est parti. Lui, il s'est transformé en chat. Oui. Moi, je me suis transformé en hibou. Oui. Et puis les autres se sont transformés en chat. Oui, mais comment? Et puis vous êtes retrouvé où? J'ai retrouvé dans un village. Un village? Mmh. Et qu'est-ce que vous avez fait? On était assis, on nous a présenté aux membres de la conférence. Ça, c'est la première fois que tu faisais la sorcellerie, c'est ça? Oui. On t'a présenté? On nous a présenté. Ça veut dire, on t'a présenté ou on nous a? On m'a présenté au chef de la conférence. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit bienvenue à la conférence. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis après, ils m'ont donné de la viande à manger. La viande à manger? Ils t'ont dit que c'était quelle viande? Ils ont dit que c'est la viande de l'homme. Ils t'ont dit la viande de l'homme. Et puis après? J'ai mangé la viande, et puis le lendemain, je suis revenu. Ils t'ont pas donné le vin à boire, le sang? Ils m'ont donné le vin. Ah, mais c'est ce que je vais attendre. Et puis le lendemain... Parle fort. Le lendemain, ils m'ont dit de ne pas te tuer. On a dit le lendemain, d'aller pas te tuer. Et tu as tué qui? Mon cousin Lazare. Tu as tué ton cousin? Comment tu as fait pour aller tuer ton cousin? L'état à mesure, j'étais adoré. Il était ivre. Donc, je suis rentré dans la chambre. En le regardant seulement. Tu as regardé droit dans les yeux? Regardé droit dans les yeux. Et puis il est mort. Et il est mort. Tu as pris son âme? J'ai pris son âme. Et puis tu es parti avec ça? Et tu l'as mangé? Quelle partie de son corps tu as mangé? Moi je mange le cœur. Toi tu manges le cœur? Et tu as tué qui encore? Tu as tué combien de personnes? J'ai tué 5 personnes. Depuis que tu es sorti, 5 personnes? À part Lazare, tu as tué qui? À part Lazare, j'ai tué ma petite soeur qui était dans le ventre de ma mère. Ah, tu as tué la petite soeur qui est dans le cœur de ta mère? Ma mère a fait une forte couche. Et oui, toi tu savais que c'était une fille? Oui, puis tu as tué. Oui. Comment tu as arrangé? Ma mère m'a appelé. Elle m'a appelé le soir avant de dormir à 23h. Donc quand elle m'a appelé, je l'ai localisé en même temps. Donc quand il l'a localisé, elle vivait pas avec toi dans la même maison? Elle vivait vraiment dans la même maison. Donc quand je l'ai localisé, à minuit, je suis sorti de mon corps et j'ai dit aux autres compagnons de venir, on va la tuer. On a tué l'enfant qui est dans le ventre de ta maman. Oui, mais pourquoi? Maman, parce que maman était pas tout petit. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enfant? Pourquoi c'est pas elle qui tue, puis c'est le bébé qui tue? Bon, je pense que si le bébé naît, elle va pas s'occuper de moi. Donc j'ai tué l'enfant. Et tu es le seul de ta maman? Oui, je suis le seul de ma maman. Ah, ok. Donc tu es le seul de ta maman? Oui. Donc si elle mettait l'enfant, bon. Mais puisqu'elle n'est plus avec toi, elle n'est plus... Donc tu as tué le bébé. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait de l'enfant? Non, elle n'a pas fait de bébé. Elle n'a plus fait d'enfant. Elle est où? Elle est à Fresco. À Fresco? Toi, tu es quelle ethnie? Je suis Bété. D'où? De Gawa. Et ta maman est quoi? Ma maman est chose Bakoui. Vous avez entendu, non? On n'entend pas. Ah? Vous n'avez pas entendu? On n'a pas le micro. Il dit qu'il a empêché sa mère de faire des enfants. Sa propre mère. Donc on aura besoin de sa propre mère. Voilà. Nous on a besoin des victimes. C'est vrai qu'il les a vus, les gens parlent. Mais on a besoin aussi des victimes. C'est pas ceux-là. Eux ils ont fait, ils gâtent. Mais les victimes, c'est la vie des gens qu'ils ont gâté là. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Donc tu as empêché ta maman de faire enfant. Parle fort. Le micro donne pas. Ne donne pas le micro. Ne donne pas. Ah, c'est faible d'ailleurs. Donc tu as empêché ta maman de faire enfant. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Non, tu as tué Lazare. Tu as tué la deuxième, l'enfant qui est dans le monde. Il reste trois personnes. Quelles sont les trois autres? Les trois personnes, j'ai tué mes trois amis de l'école. Tu as tué les amis de l'école? Voilà, voici le comble. C'est-à-dire les... Même aujourd'hui, on peut tuer. Comment tu as tué les amis de l'école? Mes amis de l'école, je leur donne du pain. Hein? Du pain, ils m'ont demandé du pain. Vos enfants qui aiment demander manger à l'école, tu as donné du pain. Comment? J'ai coupé mon pain. Tu mangeais des sandwichs? Je mangeais du pain. Oui. Okay. J'ai mis mes yeux dans le pain. J'ai mis les yeux dans le pain. Quand il m'a demandé, je lui ai donné. Oui.
Le jour où elle a la manger. Tu as donné quoi? Le pain et puis la manger. Tu as donné le pain à ce que tu veux tuer là. Et puis la manger. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, ils sont morts. Ils sont morts. Oui. Mais hey, qu'est-ce que tu as fait de leur corps? Bon, je les ai tués, mais j'ai pris les choses, le cœur, la tête et les pieds. Mais comment tu as retrouvé la viande là? J'ai retrouvé la viande là-bas parce que j'étais en chef. Hein? Avant qu'ils meurent, je les avais attachés. Ah, tu les avais déjà attachés? Mmh. Mais comment tu. Puisque ils n'ont rien à voir avec ta famille, pourquoi toi tu arrives à tuer les gens qui n'ont rien à voir avec ta famille? Parce que les trois sont mauvais, sont très mauvais. Non, je n'ai pas dit, tu n'as pas la raison qui les a terminés à les tuer. Les sondis, la sorcellerie dit, c'est ce que les gens savent. Si tu n'es pas, tu n'es, tes parents ne sont pas dedans, et les sorciers ne peuvent pas t'avoir. Pourquoi toi tu arrives à avoir accès à la vie des gens? Parce que tous les trois, les grands frères étaient sorciers. Et ils faisaient partie de ta confrérie. Et pourquoi c'est toi qui les tues? Parce que moi j'étais plus proche d'eux que les grands frères, parce que les grands frères n'étaient pas à la maison. Parce que toi j'avais envie de les tuer, c'est ça? Oui. Maintenant tu as gâté la vie de qui? J'ai gâté la vie de mes deux parents. Tu avais dit quoi? Quand papa a l'argent, quand il a l'argent, j'enlève ma part et je lui donne le reste. Tu enlèves ta part, ça veut dire? Si il gagne 3 millions, mm-hmm. j'enlève les 3 millions. J'enlève ma part dans les 3 Mais millions. Mais toi, ta part, c'est combien? Moi, ma part, c'est 2 500 000. Et puis, tu lui donnes 500. 500 000. Mm-hmm. Maintenant, toi, les 2 millions, c'est, tu fais quoi ça? Je garde ça dans ma banque. Tu as une banque? C'est bon. Donc tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est les fêtes qui sont en train de nous donner pour nous. Vous avez vu? C'est un banquier. Comment tu es? Comment vous arrivez, vous les sorciers, à prendre l'argent des gens, à les garder dans la banque? Comment? Pourquoi je lui donne son argent? Quand je lui demande de l'argent. Mm-hmm. L'argent de l'école. Quand il me donne, je ne bouffe pas tout. La nuit, ça va se retrouver là-bas. Donc quand il te donne l'argent, à partir de l'argent qu'il t'a donné, tu as accès à tout son argent. C'est l'empreinte digitale qui est sur la pièce ou le billet. À partir de ça, j'en fais à tes biens, c'est tout. C'est pour ça que lui, là, quand vous voulez dormir, mettez-lui, ou est-ce que vous êtes consacré, mettez-lui, lui, l'onction là, c'est important. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Donc tu as appauvri ton père. Mais c'est pourquoi? Puisque ton papa. Pourquoi tu as appauvri ton père? Pourquoi? Il n'était pas avec moi depuis petit. Ah donc c'est la raison, c'est son cadeau ça. Mmh. Il t'a mis au monde là, c'est son cadeau. À part ton papa, t'as gâté qui? J'ai gâté ma mère aussi. Hein? Ma mère. Oui, la c'est... femme de mon papa. Ah la femme de ton papa. Mmh. Comment tu as fait? Donc ta mère est là, elle a fresco. Et celle qui vit avec ton papa là. Mmh. Tu as gâté sa vie. Mmh. Comment tu as fait? Bon, elle, je lui ai lancé un sort. Quel sort? Pour qu'elle ne travaille pas. Pour pas travailler. Oui. Tu as fait comment? Un jour, elle m'a donné de l'argent. Et puis, elle m'a dit qu'elle se met au travail. Donc, elle est partie au travail. Le soir, quand elle est revenue, j'ai pris ses affaires. Donc, dans ses affaires, je l'ai localisé. Puis, j'ai trouvé ce travail. Tu allais gâter le travail? Mm-hmm. Je n'ai pas compris. Comment tu as fait pour localiser le travail? Ben, nous, quand elle est venue, je l'ai saluée et j'ai pris ses affaires. Tu as pris les affaires, elle vient d'arriver. Tu as pris ses affaires, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti dans la chambre, comme elle n'était pas encore là. Mm-hmm. Donc il a regardé, mm-hmm. il a regardé les papiers. Mm-hmm. Donc j'ai pris ça, la nuit, on est parti, puis on a deux trucs. Vous êtes de tout le travail. Mm-hmm. Donc elle ne travaille plus, c'est ça? Mm-hmm. Et tu as fait quoi d'autre encore? Tu as fait quoi d'autre? Il y a de tout la vie de mon oncle. Ton oncle, comment il s'appelle? Ça s'appelle. Ça s'appelle Vincent. Ça s'appelle Vincent. Mm-hmm. Comment tu as détruit sa vie? Lui, j'ai mis l'alcool sur lui. L'alcool, comment tu as arrangé? Lui, quand il y a les fêtes, il paye un peu les boissons pour venir à la maison. Mm-hmm. Donc, dans les boissons, moi et puis sa femme, on a envoûté. Sa femme est sorcière? Oui, sa femme est sorcière. Mais comment toi, tu arrives à reconnaître sorcier? Donc, quand tu vois un sorcier, tu peux le reconnaître? Oui, on reconnaît facilement. Comment? Comment on reconnaît les sorciers? À les yeux. À les yeux. Voilà. Comment? Tu vois si tu ouvres ses yeux, tu ouvres tes yeux grandement et puis tu fixes ses yeux. Si on n'est pas dedans, tu sais comment il n'est pas dedans. Mmh.
Quel est le refus fait? Donc lui, ses yeux grands, il est dedans, lui, il est les sourcils. C'est ton collègue? Hein? Oui. C'est ton collègue? Oui. Toi, t'as tué combien? 6. Toi, t'as tué 6 personnes. Non, il y a un seulement pour faire la différence. Toi, t'as tué 6 personnes? Oui. Le nom des gens? Le nom des gens qui t'ont tué? Mon cousin. Hein? Kwame. Hein? Kwame. Tu as tué Kwame? Oui. Tu as tué qui encore? C'est Kayenon. Hein? C'est Kayenon. Et qui? Comment tu tues les gens? Mon petit frère. Comment tu tues les gens? Même comme je suis là. Je me change en chat. Hein? Je monte sur le toit. Hein? Je me change en chat. Je me transforme en chat. Tu te transformes en chat? Ouais. Et tu fais quoi? Je monte sur le toit et je saute dessus. Je détends. Vous sautez? Non, la toiture, oui, vous là. Percez, vous parlez à la toiture? La toiture, c'est comme s'il n'y a rien. Ah, ok. Et puis vous tuez la personne? Oui. Comment on fait pour tuer? Je l'étrangle. Vous l'étranglez? Oui. Et puis la personne meurt? Oui. Et vous prenez quel... Vous mangez la personne après? On mange, on mange. Quelle partie du morceau vous mangez le plus? Le foie. Le foie? Le foie. Attends, viens, viens vers lui. Tu es terrible, hein? Moi, comme tu n'as pas de dents dans ta bouche, chaque fois tu es mangé. L'homme est doux, l'homme. Oui. La chair humaine, c'est tout. Oui. Tu manges pas poulet ou bien. Non, si la tête, tu manges pas, c'est la sorcellerie. Le poulet, je n'aime pas tellement. Ah, c'est l'homme qui aime. Tu aimes quelle viande? Je vous demande, monsieur. La première, c'est l'agouti. Agouti. Poulet qui est bien, vous n'aimez pas ça? Donc vous avez tué les 5 personnes, 6 personnes comme ça? Et vous avez gâté la vie de qui? Vous avez attaché qui? Attaché ma femme. Votre propre femme? Votre propre femme? Ma propre femme. Vous l'aimez? Je l'aime. Et pour vous l'attacher? Je l'ai pris dans 3 ans. Quand elle avait 3 ans, c'est là que je l'ai prise. Vous avez levé pour la manger après? Oui. Et donc vous l'avez programmé? Je n'ai pas programmé. Ah, mais livrée, ça dit programmé? Non, elle est déjà morte. Vous l'avez tchatché? Non, elle n'est pas morte. Vous l'avez fait quoi? Elle est là. Mais vous l'avez livrée, ça veut dire? Après, on était dans une étendue d'eau. Monsieur, attends. Pourquoi m'envoyer cette étendue d'eau là? Vous l'avez livrée, c'est ce que vous avez dit? Oui. Pourquoi? Pour la tuer. Vous l'avez la tuer, c'est ça? Vous l'avez faite, c'est ça? Je n'ai pas programmé. Hein? Je n'ai pas programmé. Je te détaille ce que tu as fait. J'ai le temps. Faut pas jouer mon temps. Hein? Faut pas jouer mon temps. Si tu n'as pas envie de parler, tu prends ta route et tu dégages. Je n'ai pas programmé. Quoi. Mais livrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire programmé? Quand on lit quelqu'un, on l'a programmé? C'est quel français est en train de parler? Hein? C'est vrai. Ça veut dire quoi, c'est vrai? Tu me perds le temps ou bien? Non, je ne perds pas le temps. Hein? Quand il dit quelqu'un là, tu l'as programmé, quand il est livré, tu es le tel jour, la personne doit mourir tel jour. C'est ça qu'on appelle la programmation. Tu peux livrer quelqu'un tant qu'on ne sait pas. On ne lit pas quelqu'un comme ça? Oui. Et c'est quand vous l'avez la tuer? Tu en as combien de personnes tu as programmé comme ça? J'ai ma fille. Ma fille. Est-ce qu'il la connaît? C'est quand Florence. Ah. T'as ta fille, oui. Son petit garçon. Son petit garçon, je le connais. Ézéchiel. Ézéchiel. C'est quand Thierry. Lui, il est dans loin. C'est quand Marius. Donc vous allez manger, hein? Vous voulez manger beaucoup, tout cette espèce. C'est comme Marius. Il est à Bangor. Vous allez manger aussi? Oui. Il est bien programmé pour le 8 janvier. Ah, 8 janvier. Il allait mourir comment?
Par accident. Par accident. Ouais. Donc vous provoquez des accidents, vous les sorciers. Oui. Comment faites? Vous programmez comment? Vous programmez comment l'accident? Avant de voir le chauffeur. Hein? Et puis, quand le chauffeur va, tu le bouscules et puis. Non, explique-moi, monsieur, explique-moi très bien. Vous voulez tuer quelqu'un, vous dites qu'il va mourir le 8 janvier par accident. Comment vous arrangez? Et puis, vous connaissez la date, l'heure. Comment vous arrangez? Puis la voiture, le monsieur fait accident. Comment? Toi, Roger, c'est Roger qui l'a dit, non? Comment ça? Celui qui allait mourir, là. Le 8, là, c'est qui? Comment ça? Marius. Marius, comment il allait mourir le 8? Il est par accident. Oui, comment? Le chauffeur va. Et puis. On lui attrape la main. On lui attrape le bras. C'est bousculé. Expliquez très bien. On va tous comprendre. Il perd le contrôle. Il fait l'accident. Le chauffeur. Donc vous savez que le 8, il allait mourir. Oui. Vous avez vu? Donc, la vie est faite de programmation. C'est ce qu'il disait aux gens. C'est une programmation et des programmations. Et vous savez qu'il doit mourir. Oui. Et pour vous regarder la scène comme ça, ça vous dit rien. Vous êtes content qu'il meure. Ça veut dire quelque chose. Mais comment que ça te dit quelque chose? Ça veut dire quelque chose. Mais comment ça te dit quelque chose? Ça me fait mal. Eh, écoutez, c'est nous, ça fait mal, c'est pas toi. Qui l'a programmé? C'est moi. Alors, même si tu as oublié de dire ça te fait mal, tu ne le programmes plus? Ça te fait mal comment? Ça te fait mal, donc tu ne le programmes pas. Pourquoi tu l'as programmé alors? Monsieur, on est pris par le temps. Pour le tuer. Pour le tuer. Oui. Et quand tu tues un homme, qu'est-ce que tu ressens? L'homme, il est trop sacré. J'ai pitié en vrai. Mais pourquoi t'as pitié? T'as pitié. Et pourquoi tu le fais? Comment quelque chose me pousse à faire ça là? Quelque chose te pousse, comment? Explique-moi. Explique-moi, comment ça fait? Il faut dire ça là, il faut faire ça là. Faut faire. Voilà. Et puis tu ne sais pas dire non alors. Une fois que tu fais ça là. Tu ne sais pas dire non. Quand la chose vient là, toi tu ne sais pas dire non. Des fois on refuse. Non, je te demande. Quand tu dis quelque chose te pousse à dire, tu le tuer. Donc toi tu ne sais pas dire non. Non, je ne dis pas non. Ah donc tu veux manger l'homme, c'est ça? C'est ça. Ça détruit la vie humaine comme ça, les gens, les êtres humains qui vont mourir, tu trouves ça normal? Oui, papa. Vous trouvez ça normal? C'est normal? Oui, papa. C'est normal qu'il meure? C'est pas normal, mais comme déjà je suis dedans. Ah, comme tu es dedans? Pourquoi toi-même tu te donnes pas pour qu'on te mange? Est-ce que je me demande? Hein? J'aurais pu me donner moi-même, mais comment on me réclame ça là? On te réclame? Qui te réclame? Les collègues. Tes collègues? Ils sont combien? Ils sont nombre de 8. Ils sont nombre de 8 personnes. Qui est patron? Qui est chef? Le chef. Eh, d'abord, c'est moi-même. Hein? Ah, quand tu as mangé pour eux là, ils réclament pour toi. Oui. Ah, ils sont pas bêtes. Ça t'a mangé pour eux seulement, puis ils vont là comme ça. C'est toi qui es le chef. Oui. Et vous êtes là pour m'aider les gens, les tuer. C'est tout ce que vous voulez, vous faites. Hein? C'est mauvais. Il y a des gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là? Je dis que c'est la menthe. Hein? Je dis que c'est la menthe. La société existe? Oui, ça existe. C'est une réalité? C'est... D'autres disent non, ce qu'ils t'entendent, ils disent c'est des conneries, tu délires, tu es malade, qu'ils t'entendent rencontrer, que c'est pas vrai. Oui. Tu dirais quoi à ces personnes? Je leur dis qu'ils mentent. Hein? Je leur dis qu'ils mentent. Donc, ce que tu dis est vrai ou faux? Tout ce que tu entends les dire là, c'est vrai ou c'est faux? La question est posée. Tout ce que tu dis là est vrai ou faux? C'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux leur délivrance. Et puis? Moi-même aussi.
Toi-même aussi. Oui. On n'a qu'à te donner, ils vont te manger. Pour ne pas continuer de faire tout ça là. Hein? Ne pas continuer de faire des ravages, tout ça là. Bien. Il n'y a pas d'autres personnes, c'est toi ce qui est là. Et ils ne veulent pas venir là-bas. Ils sont venus, mais ils travaillent. Ah, ok. Et ils ont arrivé à pardonner leur papa. Et il est venu de lui-même, celui qui voulait qu'on le délivre. Non, c'est moi qui l'ai appelé. Tu avais quoi? Je lui ai téléphoné. Tu as dit quoi à ton fils qui t'a téléphoné? Je lui ai dit que je vous en veux, quoi. Je veux vous tuer. Ah, tu as dit aux enfants que tu veux les tuer. Donc venez, on peut vous délivrer. On va les délivrer. Ouais. Ils ont dit quoi, les enfants? Au début, ils sont fâchés avec moi, mais c'est normal. Comment tu vas me dire? Viens, je vais te tuer, viens. Même la route, là, il prend une voiture. Il y a peur. Il a fait comment au monde? Et les démons, là, sont où? Là, ton mari, la nuit, il ne dort pas. Chamois. Il est sur toi. Toi aussi, comment il dit qu'on s'est les... Il saute sur toi la nuit, il t'embrasse. Il faut prier. Toi, tu as rien de la fille là. Papa, en tout cas, je n'arrive pas moi-même à comprendre. Tu es vieux comment là? Tu as rien de la fille là? La plus petite même. Et stop. Ouais, la nuit est sur toi. La puissance de Dieu. La main de Dieu sur ta vie. Feu! Feu! La puissance de Dieu. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Comment on arrive? La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Le goût de délivrance, amenez-la rapidement à la délivrance. Voilà, soulevez-la. Viens. Tu veux laisser la sorcellerie? Est-ce que tu veux laisser la sorcellerie? Oui. La sorcellerie, c'est un démon. Après, il faut que je délivre. Je suis prêt à laisser ça. Comment? Laissez ça pour moi. Et feu! Feu! Comment? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Feu! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Je chasse l'esprit de la sorcellerie. La délivrance, le groupe d'intercession. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Parce que s'il a fait des aveux, qu'il a parlé, c'est qu'il y a un démon en lui. Après les aveux, il faut qu'il soit délivré. Il a fait des aveux, mais il y a en lui un démon. C'est un esprit qui le pousse à faire la sorcellerie. Il a expliqué tout à l'heure, je ne sais pas, mais quelque chose me pousse à le faire. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Il est possédé. C'est vrai qu'il a parlé, mais ça ne le délivre pas de la sorcellerie. Les aveux ne guérissent pas un sorcier de la sorcellerie. Après les aveux, voilà, nous passons maintenant à l'acte de la délivrance. C'est-à-dire, il faut parler. Alors le démon va quitter le corps et il sera totalement délivré. Ses parents sont là. Qu'est-ce que tu veux? Venez. On aura besoin de ses parents. Je vois le monsieur là-bas, je vais venir. Je vois l'esprit sur vous. Venez. Je parle de vous. Je vois quelque chose bizarre sur vous. Comment? Feu! La puissance de Dieu. Vous lâchez son arme. Comment? Le feu! Lâche-le! Allez, feu! Allez, lâche-le!
libérer ce corps. C'est un ordre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lâche-le. Allez. Le feu. Si. Va-t'en. Va-t'en. Vous libérez sa vie et maintenant. Vous libérez sa vie et maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez. Lâche-le. Le feu. Le feu sur vous. Feu. Feu. Feu sur vous. Le feu consume vos œuvres. Le feu consume vos œuvres. Le feu consume vos œuvres. Lâchez-le. Allez. Vous le libérez maintenant, même. C'est un ordre. Allez. Lâchez-le. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Sors. Si. Si. Libérez-le. Libérez-le. C'est un ordre. Vous lâchez sa vie maintenant. Vous lâchez sa vie et maintenant même. C'est un ordre. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Libérez sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, je reviens. Vous avez entendu ce qu'il a dit? On aura besoin. Quoi? Il faut que ses parents viennent. Parce que c'est vrai qu'il a parlé. C'est vrai qu'il a parlé, mais on a besoin. On a besoin que les victimes en question soient totalement libérées. La puissance de Dieu. Lâchez son âme. 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 Libérez sa vie. C'est un ordre. Lâchez. Lâchez. Lâchez-le. Lâchez-le. La puissance de Jésus te délivre maintenant. Sa puissance te libère. Lâchez-le. Vous le libérez maintenant même. Vous le libérez et maintenant même. Dans le nom de Jésus. Sa puissante main te libère. Sa puissante main te libère. Comme! Lâche-le. Vous libérez sa vie maintenant. C'est un ordre. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Jésus te libère. Et maintenant, sa puissante main te libère. Vous le libérez. Vous le libérez de la sorcellerie. Où est sa fille là? Oui, moi. Oui. Le dragon, c'est ça? Baba Melin, c'est fini. Où est Dida? Baba Melin, c'est fini. La puissance de Dieu. Allez, feu! Feu! La puissance de Dieu. Comme! Le feu! La puissance de Dieu. Amenez-le à la délivrance. Amenez-le à la délivrance. Oui, Baba Melin, c'est fini. Ah, Mene. Eh bien. Non, il faut dire qu'il part. Il part aujourd'hui. Le serpent s'en va aujourd'hui. Tu es bien content. Hein? Comment tu envoies un serpent, tu l'élèves. Comme on élève une chèvre. Comment tu peux élever un dragon comme on lève une chèvre? Feu, la puissance de Dieu. Allez, feu, la puissance de Dieu. Feu, le feu, le feu, la puissance de Dieu. Consume les œuvres de ce corps. La puissance de Dieu. Consume tes œuvres. Où est ta notre seule partie? Toutes les difficultés pour le faire aujourd'hui. Toutes les difficultés pour le faire aujourd'hui. La puissance de Dieu. Je libère tes finances. Je libère toute ta vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Aujourd'hui, je libère ton âme. Oui. Je libère ta vie. Je libère. Je libère totalement ta vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère totalement ta vie. Je proclame la délivrance ce soir.
Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, j'ai déclaré libéré par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ta délivrance. 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 Est-ce qu'on fait cette nuit debout tout le monde? Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Il faut que cette famille dans laquelle nous nous trouvons, que cette famille reçoive la délivrance aujourd'hui. Nous sommes en train, n'est-ce pas, compter les dernières heures de l'an 2016 plutôt. Il faut que cette malédiction, il faut que cette main ennemie s'arrête maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Nous levons tous les mains, commençons à prier, invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous prions, nous prions. C'est vrai que tu as traversé les moments difficiles. C'est vrai que les membres de ta famille ont traversé les moments difficiles. C'est vrai que c'était difficile. Mais Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable encore de te restaurer. Dieu est capable encore d'agir. Nous prions le Seigneur, nous prions. Nous invoquons la main de Dieu. Nous invoquons cette puissante main de Dieu. Dieu est capable encore d'agir. Dieu est capable encore de se manifester. Il peut encore agir. Il peut encore se manifester. Que la main de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu. Nous prions, nous prions le Seigneur. Devant tout le monde prier. Tout le monde prier. Tout le monde prier. Tout le monde le Seigneur, le Dieu, mon roi, la famille reçoit la délivrance. Reçois ton miracle.
dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois ta délivrance. Maintenant même. Au nom de Jésus. La puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La puissante main de Dieu te bénit. Recevez la puissante main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. La puissante main de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. On continue de prier. On continue de prier. On continue de prier. On continue de prier. Au nom de Jésus. 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 Continuez de prier. La puissance au nom de Jésus te délivre maintenant. Sa puissance te délivre maintenant. Sa puissance te libère maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois maintenant ma délivrance. Allez! Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Feu. Allez. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche la vie. Lâche la vie. Si tu vas partir. Si tu vas partir. Tu vas partir. Allez. Feu. Le feu sur toi. Le feu. Consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Lâche-la. 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 Lâche la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On continue de prier. On continue de prier. La puissante main de Dieu vous délivre maintenant. La puissante main de Dieu vous délivre maintenant. Vous délivre maintenant. Vous délivre maintenant. Amen. On va aller bien, on va aller bien. Comme ça, on n'aura plus d'espace. Vous prenez vos chaises, vous mettez au mur.